Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023. Et aujourd'hui, je réponds à une question qu'Evelyne m'avait posée il y a déjà quelques temps et je n'avais pas répondu. Donc désolée Evelyne, mais vous voyez, je réponds maintenant. C'était une question concernant le vol MH370, le vol de Malaysia Airlines qui faisait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. Qui a disparu en 2014. Alors, je vous avoue que j'ai recherché un peu parce que je ne me souvenais plus du tout de ce que c'était ni quand. Et donc, voilà, Evelyne m'a demandé de faire un tirage sur cet événement-là. Alors, je vous avoue que je ne l'ai jamais fait et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Et donc les cartes sont devant nous. Et en nous, eh bien, on voit déjà la première chose qui frappe, c'est, vous voyez, toutes les cartes rouges, elles sont toutes regroupées. Vous voyez, elles sont toutes ici, sont toutes sorties et toutes. Bon, il y en a une là, mais elles sont toutes ici. Donc ça montre bien la violence de ce qui s'est passé. Alors, ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a une autorité, donc c'est soit un chef d'État, ou ça peut être aussi, puisqu'on a la découverte ici, vous voyez là, ça recherche avec peut-être les satellites, voilà, enfin en tout cas, il y a tout ce qui est découverte, donc du coup, recherche. Donc, est-ce que c'est peut-être le chef d'une structure, d'un service qui recherche. Alors moi, je pensais que les recherches étaient terminées, mais bon, apparemment non. En tout cas, on va découvrir quelque chose. Donc, est-ce que les satellites vont révéler quelque chose et qu'on va aller après récupérer ou trouver des indices en pleine mer? En tout cas, voilà, il y a encore, donc les recherches ne sont pas terminées et on va découvrir quelque chose en pleine mer. Et les résultats, en fait, les annonces qui vont être faites par rapport à ces découvertes-là vont faire débat, vont vraiment amener des disputes, des discussions. Enfin, ça va pas être simple. Parce qu'il semblerait qu'en fait, ce qui s'est passé est vraiment complexe. Ça me laisse perplexe. Alors, honnêtement, je ne peux pas dire avec certitude ce qui s'est passé puisque je n'y étais pas, donc je n'ai pas vu. Donc, honnêtement, voilà. Mais ce qui ressort des cartes, moi, je pensais à un banal accident. Excusez-moi du terme, je vais offenser personne, mais un accident tout simplement. Mais avec la carte de l'ennemi à côté, et là, l'accident, je me demande, le procès, je me demande s'il n'y a pas eu une attaque, en fait, très sincèrement. Parce qu'il y aurait eu juste cette carte, il n'y aurait pas eu ces cartes à côté. Je dis, bon, c'est un accident, l'avion s'est abîmé en mer, ou il y a eu une défaillance de l'avion, et voilà, il s'est crashé en mer. Mais là, avec l'ennemi à côté, ça me fait douter. Ça me fait douter. Et puis là aussi, on voit qu'on cache des choses aux familles. Et ici, il y a un homme en prison. Alors, qui est cet homme? Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Qu'est-ce qu'il sait? Il est en prison dans un pays, là on a un État étranger, et il est emprisonné. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il est au courant du coup de ce qui s'est passé et pour éviter que ça se sache, il est emprisonné. En tout cas, on cache des choses aux familles. On cache des choses aux familles. Et vous voyez, c'est vraiment très violent. Et même là, à la fin, en fait, c'est vraiment les cartes, les deux pires cartes qui sont ensemble. Donc, c'est louche, quoi. Vraiment, vraiment, c'est louche. Donc, il va y avoir des découvertes, il va y avoir des annonces de fait, des révélations qui vont être faites. On voit
La carte ici également, hein, le souffle, la parole. On voit ici donc la méchanceté, donc c'est les choses cachées qui sont quand même révélées. Donc je pense que les familles vont quand même apprendre des choses, mais ça va. C'est très violent, mais en tout cas, la vérité, honnêtement, je pense qu'on ne la saura pas. On a la carte de la réussite ici, mais il y a la stérilité, il y a les retards. Donc, à mon avis, la vérité sur ce qui s'est passé, je pense qu'on ne saura jamais. Honnêtement. Honnêtement. Mais, et ça, c'est la dernière carte, hein, celle qui reste. Mais quelqu'un sait. L'intelligence, c'est écrit dans des documents officiels. Quelqu'un sait. Mais que ce soit les familles ou que ce soit le public, je pense que malheureusement, on ne saura pas. On ne saura pas. C'est vraiment particulier. Evelyne, ben écoutez, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà ce que les cartes me disent. Voilà, en tout cas, ben, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Et puis, ben, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et puis, je vous fais un tirage avec plaisir. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.